manière particulière de raconter, art qui permet de divertir tout en éduquant, le conte est commun à tous les peuples. Côte d'Ivoire, Canada, Mali, Europe, tous les continents et tous les peuples. D'ailleurs, aujourd'hui, nous recevons un jeune auteur de conte. Un jeune auteur de conte. Généralement, on a l'habitude de voir des conteurs d'un certain âge. Il paraît que la vieillesse est gage de sagesse. Mais aujourd'hui, nous avons un jeune auteur, Kwame Nguessan-Maxine, qui nous parlera de l'enfant serpent et la pluie. Alors, je vous appelle Kong ou Kwame Nguessan-Maxine? Kong, c'est encore mieux. Kong, c'est encore mieux. Donc, ouais. Vous êtes plus connu sous le nom de Kong. De Kong, ouais. Bienvenue sur le plateau d'Entre les Lignes. Merci. J'espère que vous êtes heureux d'être avec nous. Je suis très heureux. Donc, c'est le cas. Effet de surprise. Vous savez, nous avons grandi dans les villages, même en famille, avec des personnes âgées qui étaient autorisées à dire le conte. On se retrouve là avec un jeune auteur, très jeune d'ailleurs, et qui ne pratique pas le roman, pas la poésie, pas le théâtre, mais plutôt le conte. Comment est-ce qu'on devient conteur aussi jeune? On devient conteur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'on a été avec des personnes âgées, comme vous le dites, qui nous ont raconté des histoires, qui nous ont conté aussi le passé tel qu'ils l'ont vécu. Et autour du feu de bois, on a appris tellement de choses qu'on aurait voulu aussi faire connaître aux autres générations. Et on ne pouvait pas passer par autre moyen si ce n'est le conte. Alors, vous voulez dire que le conte est le seul moyen par lequel vous pourriez passer pour transmettre le message qui se cache ou qui gît dans l'enfant serpent et la pluie? Et le roman, la poésie, le théâtre même? Le roman, la poésie, le théâtre, oui, mais je me suis senti mieux, je me suis senti à l'aise en relatant cette histoire-là par le conte qui est le canal que je maîtrise encore mieux. Celui que vous maîtrisez encore mieux. Alors, quelle est la particularité du conte? Si on le compare par exemple à un genre narratif également, un genre qui raconte comme le roman, que peut le conte que le roman ne pourrait pas? Avec le conte, je me retrouve avec d'abord plusieurs personnages, des animaux et tout ça, avec lesquels je vis, avec lesquels je parle. Je me retrouve moi-même dedans à certains moments. Et je crois que c'est un peu pareil avec le roman, mais là-bas, je ne me serais pas vraiment senti mieux en l'écrivant ainsi. Très bien, donc un genre dans lequel vous êtes à l'aise, un genre, vous avez parlé à l'instant de tradition, de séjour au village, d'avoir été formé par des vieux conteurs. Ah, ouais. Alors, jeune conteur, j'imagine que vous êtes un conteur plutôt connu, on a entendu parler de vous, on vous a vu certaines scènes. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a des jeunes comme vous qui pratiquent le conte aujourd'hui? Oui, il y a assez de jeunes qui pratiquent le conte, j'en connais assez, mais ça c'est, je crois que c'est quand on se retrouve sur les scènes. Voilà, quand on se retrouve sur les scènes, il y a assez de jeunes. Au-delà de cela, au niveau de l'écriture, je n'en connais pas vraiment assez. Mais je connais des œuvres qui sont plutôt destinées à la jeunesse, des œuvres de conte. Littérature jeunesse. Alors, vous avez dit une chose particulière qui m'intéresse et qui j'imagine intéresse également les lecteurs. La scène, le ouais. conte qu'on connaît, on l'imagine en tout cas tel qu'on se l'imagine, tel qu'on l'a vécu nous plus jeunes au village avec les grands-parents, ouais. on s'imagine un soir, le clair de lune, ouais. Le feu de brousse, effectivement. Le cercle et le conteur qui est au milieu, une sorte de transe collective avec la chanson et tout. Mm-hmm. Le slam, pas le slam, le kong, le conte est passé donc du village à la scène. Ouais. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des soirées de conte dans les villages, dans le vôtre par exemple? Moi, dans mon village, j'essaie d'initier cela. C'est là-bas, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est là-bas d'ailleurs que j'ai appris à dire le conte. C'est là-bas que j'ai appris certains contes. C'est là-bas que j'ai commencé à écouter les contes. Mais à un moment, je n'y allais plus. Et quelque temps après, quand j'y suis retourné, je me suis rendu compte que ça n'existe plus. Donc, chaque fois que j'y vais, j'initie des soirées de conte autour du feu de bois. Et certaines personnes là-bas, de la même époque que moi, qui ont vu ce que j'ai vu, rentrent dedans et je crois qu'ils sont intéressés. Je pense que dernièrement, quand je suis parti, ce sont des choses qui sont encore maintenues. Les gens continuent de faire ce conte-là. Donc, jeune conteur qui essaie de reprendre le flambeau transmis par les aînés, les sages. Vous vous retrouvez avec ce livre, L'enfant serpent et la pluie. Bien avant de rentrer dans ce texte, une dernière question sur le conte, parce que ça nous intéresse. Nous qui avons grandi, nous avons été bercés par, moi je me rappelle ma tante qui était conteuse. Mais au final, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait justifier la disparition entre griffes du conte en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, nous avons plusieurs autres arts qui sont en train de monter.
Je prends la musique qui a changé de façon d'être, je prends le cinéma, je prends le théâtre et tout ça. Le conte est resté dans son canari, sans vouloir sortir, sans vouloir imaginer d'autres choses autour de la scène. Le conte est resté là. Aujourd'hui, quand on prend le cinéma, on nous dit que le cinéma est sorti maintenant des rues, le cinéma est dans les salles. Et il y a tellement d'imagination que le cinéma attire plus la population dans les salles de cinéma et autres. Quand je prends la musique avec les concerts et tout ce qu'il y a autour, la musique attire encore plus de monde. Mais quand on rentre dans le conte, aujourd'hui, on ne peut pas envoyer le feu sur une scène. Par exemple, je cite n'importe quoi, on a le Palais de la Culture, on ne peut pas aller faire du feu sur la scène du Palais de la Culture. Et donc, la manière de dire le conte doit changer. Et si ça doit changer, ça doit changer avec les acteurs même, les conteurs eux-mêmes. Et tant que les conteurs eux-mêmes ne sont pas formés à pouvoir changer cela, le conte ne peut pas évoluer. Très bien. Donc, au final, l'une des voies du salut du conte, ce serait le livre. Oui. Pourquoi? Parce que déjà, le livre va nous permettre de pérenniser ces contes-là, ces histoires qui tendent à disparaître. Et puis, pour les générations futures, si elles sont formées, elles pourront s'inspirer de ces livres-là pour peut-être un jour raconter ces histoires ou dire ces histoires autour du feu de bois ou bien sur une scène si l'imagination y est ajoutée. Donc au final, on dira que le livre devient le lieu de survivance, le lieu de pérennisation de la mémoire du Du conte. conte, Très bien. effectivement. En tout cas, nous sommes contents de l'avoir lu, contents de vous recevoir. Je Merci. rappelle l'enfant serpent et la pluie. Alors, l'enfant serpent et la pluie. On voit sur la première de couverture une très belle femme qui D'accord. danse au-dessus d'une case. On est dans un village. Oui. Au final, est-ce que l'un des problèmes du conte, c'est de ne pas raconter que des histoires lointaines et au village. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir des contes urbains, des contes qui se déroulent dans la ville, des contes avec dans un espace dans lequel les lecteurs se reconnaîtraient? C'est possible, c'est possible. C'est un choix qu'on fait, c'est un choix que l'auteur fait, c'est un choix que nous faisons. Et sinon, c'est possible. Je pense que moi-même, j'en fais, sauf que celui qui a été édité, c'est peut-être celui que j'ai imaginé dans le village. Sinon, ça peut se faire. Et je crois que ce serait plus intéressant. Très bien. L'enfant serpent. On a Monica, sans dévoiler l'histoire, parce qu'il faut que les lecteurs accourent dans les librairies pour connaître la fin de l'histoire, connaître l'histoire et le destin que va connaître l'enfant serpent. L'enfant serpent, Monica. C'est quoi un enfant serpent, Kong? Un enfant serpent pour moi, c'est toute personne qui est rejetée par la société. Je prends le serpent, le nom serpent, pour qu'on fasse un peu, pour qu'on pense à l'image du serpent quand le serpent apparaît dans une assemblée, quand le serpent apparaît dans une foule. Comment le serpent est rejeté? Voilà comment il faut imaginer l'enfant serpent. L'enfant serpent, c'est toute personne qui est rejetée dans sa société. Pas ses frères, ses sœurs, ses amis et tout ça. Très bien. Donc au final, on va dire que si on veut essayer de coller à l'actualité, un orphelin qui Un se retrouve seul orphelin. est un enfant, peut être considéré comme un enfant Un serpent. serpent. Un enfant de la rue peut être considéré comme Un un enfant enfant serpent. serpent. Très bien. Donc l'histoire, en fait, raconte comment est-ce que Monican, enfant serpent, va perdre ses parents. Mais pourquoi est-ce que ses parents sont tués? Ses parents sont tués parce que la justice d'alors et la justice de maintenant, en fait, il n'y a pas. Il n'y a, on raconte une histoire, c'est sur la base des, comme on a l'habitude de dire en Côte d'Ivoire, des on-dit, Des rumeurs, non? voilà, des rumeurs. Et sur cette base-là, il n'y a vraiment pas de. On ne creuse vraiment pas pour savoir si les parents ont vraiment commis ce tort-là. Et bon, on applique ce qui doit être appliqué et les parents sont tués. Et Monica ensuite se retrouve seule et connaîtra diverses aventures jusqu'à, Effectivement. on ne dit pas la fin, cher lecteur, allez dans la librairie et achetez rapidement L'enfant, serpent et la pluie. Première page. Généralement, on trouve le conte, la morale du conte à la fin. Avec vous, c'est l'inverse. Dès le départ, vous écrivez: haïr quelqu'un sur la base d'un simple récit qu'on a entendu n'est que pure injustice. Donc, avant d'abord d'essayer de nous interpréter ce que vous dites ici, mais pourquoi on va commencer par la morale? Est-ce que c'est un style particulier? Déjà, oui, c'est un style particulier. J'essaie, puisque il y a trop de conteurs, il y a trop de contes qui sont écrits, et c'est toujours
le même système, c'est l'introduction, le développement, la conclusion. Et on sait que le conte finit toujours par une moralité. Et moi, c'est vrai qu'à la fin, il y a une moralité, mais la moralité principale, je la mets au début pour avertir un peu le lecteur sur ce qui va se passer dans le livre. En tout cas, style très particulier. Alors, haïr quelqu'un sur la base d'un simple récit qu'on a entendu n'est que pure injustice. Ça me ramène un peu à l'histoire du serpent. Si je peux me permettre de parler de l'histoire du serpent dans le livre Saint. On aimerait bien l'écouter, hein, tout de suite. Voilà. Voici le serpent qui est accusé d'avoir donné la pomme à Adam. Mais on ne sait pas si ces personnes parmi nous n'a vu le serpent faire ce qu'on nous a dit. Mais aujourd'hui, le serpent, partout il apparaît, puisque c'est ancré dans notre tête, aujourd'hui, il y a des animaux qui sont plus dangereux que le serpent. Mais on les voit, on cohabite avec eux. Mais une fois qu'un serpent apparaît quelque part, voilà. Donc là, vous remettez en question le récit biblique. Le récit, bon. Cher lecteur, on ne fera pas comme Kong. On vous invite tous à lire « L'enfant, serpent et la pluie » de Kwame Nguessan Maxime, alias Kong. Jeune conteur, c'est très rare. Mais je veux dire, il y a quelqu'un d'autre qui a lu votre conte, qui s'y est intéressé, qui va maintenant nous rejoindre pour vous poser deux questions. Instant lecteur. Vous êtes étudiant et vous avez lu l'un des livres des auteurs que nous invitons ici. Vous êtes libre de nous rejoindre sur le plateau d'Entre les lignes pour poser la question à l'auteur que vous aimez ou que vous n'aimez pas, on ne sait jamais. D'ailleurs, nous recevons aujourd'hui une étudiante, une lectrice, qui est étudiante en maîtrise de lettres modernes. Exactement. Très bien, je suis très heureux de vous recevoir, très heureux. Merci. J'imagine que vous êtes une très grande lectrice de romans, de poésie et de contes. Parce que d'ailleurs, vous avez lu « L'enfant serpent et la pluie ». Exactement. Et vous avez deux questions pour Kong. Bonjour Kong. Bonjour. J'ai lu votre ouvrage avec beaucoup d'intérêt et j'ai bien envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut retenir du personnage de Monica? Wow. Du personnage de Monica. Il faut dire que Monica, déjà, c'est le nom Monica, c'est déjà une phrase. Merci pour le peu. Merci pour mot, pour ni, et puis quand pour peu. Je crois bien que c'est en baoulé. C'est en baoulé, voilà. Oh. Et donc, Monica, tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'est la patience, la paix, la tolérance, aussi la renaissance. Voilà, parce que Monica était considérée comme morte. Quand je dis morte, c'est entre griffes, elle n'existait plus jusqu'à ce qu'elle revienne à la vie. D'accord. Voilà. Donc, on comprend aisément toute l'importance que Monica a dans ce récit, dans ce conte-là, et à quel point elle va jouer un rôle très important dans l'avenir du village et du royaume. Deuxième question, Erzan Micheline. Oh oui, j'ai effectivement une deuxième question à vous poser. La deuxième question s'intéresse à la leçon de moralité qu'on peut retenir de votre œuvre. Elle est la suivante. C'est bien vrai que vous avez énoncé, sinon souligné la leçon de moralité qu'on peut retenir de votre œuvre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre leçon en dehors de celle que vous avez énoncée? Alors, quand une leçon cachée, une leçon de morale cachée, à part la première, je la rappelle, hein, la première leçon de morale qui arrive dès le début du texte, étrangement, haïr quelqu'un sur la base d'un simple récit qu'on a entendu n'est que pure injustice. Est-ce qu'il y a une autre leçon de morale? Il y en a assez dans le livre. Il n'y a qu'à lire les différents noms des personnages dans le livre, comme je viens de le dire pour Monica, qui est toute une moralité. Okay. Et il y en a assez comme ça dans le livre. Chaque nom est une moralité que j'évoque dans le livre. Très bien. Alors, Kong, on va dire que ce conte est un creuset de moralité. Les noms, les personnages, les lieux, l'histoire. Merci, Erzan Micheline. Avant de vous quitter, une dernière chose. Quel est le livre que vous lisez actuellement après celui de Kong? Présentement, vu que je suis spécialiste des romans français, je lis présentement Voyage au Congo d'André Gide. Voyage au Congo d'André Gide. Alors, je le suggère aux différents lecteurs, Voyage au Congo d'André Gide, écrivain français, très connu, très célèbre et très talentueux. Merci, Erzan Micheline. Merci à vous. On espère vous revoir bientôt ici avec nous. Ouais. Et à très bientôt. Mais vous ne partez pas. Kong, une autre question pour toi. Pas ici, avec nous, mais avec son téléphone. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, la question selfie. Bonsoir Kong, je suis Alex Tapé et j'ai lu ton livre. Et là, j'ai une question.
J'aimerais savoir pourquoi Monique continue d'aider son village malgré la méchanceté des habitants. Merci. Wow. Pourquoi Monique a accepté d'aider son village malgré tout le mal qu'on lui a fait? Bah, moi, je pense que c'est simplement parce qu'elle a un bon esprit. Ici, si je prends l'actualité aujourd'hui dans le monde entier, particulièrement en Côte d'Ivoire, on est dans un cadre, on est dans une atmosphère où on doit se pardonner mutuellement, on doit se pardonner. Peu importe le mal qu'on a fait les uns aux autres, il faut se pardonner. Et quand Monican vient pour aider le village, c'est pour toute la génération, ce n'est pas seulement pour elle, parce que si le village est détruit, c'est aussi pour les futurs enfants de Monican. Alors, quand elle le fait pour le village, mais aussi pour sa progéniture. Parce que, bon, qui aimerait que ses enfants vivent dans une atmosphère détruite, pourrie, voilà, comme aussi je peux m'exprimer ainsi. Ah, donc c'est un peu ça, Monican vient pour aider son village, mais pour s'aider elle-même. Très bien. Quand il y a une question qui revient, je pense que chez la plupart des lecteurs de contes, ceux qui découvrent le conte, pourquoi est-ce que tous les personnages de contes doivent toujours nécessairement passer par des épreuves avant d'arriver, soit à la fin, finir par être réussir ou parfois échouer, ça dépend du personnage qu'on a, mais pourquoi ce besoin de faire passer les épreuves aux personnages de contes? Je vais le dire dans le contexte africain. Je sais qu'en Afrique, le conte est une école. Voilà, une école à travers laquelle on enseigne les interdits de la société aux générations. Voilà, donc quand on le fait ainsi, c'est pour montrer aux jeunes le chemin à suivre quand on est dans telle ou telle situation et ce qu'il ne faut pas faire, sinon on pourrait se retrouver dans telle ou telle autre Ça veut situation. dire qu'en fait, que le conte finit par dire que la vie va être difficile. Voilà, la vie. Vous voulez dire que Oui, je le suis rôle du conte, d'accord. c'est de dire que la vie va être Je difficile? suis d'accord, la vie est difficile. Pas va être même que c'est de dire que la vie est difficile. Donc, voici le chemin à suivre pour pouvoir supporter les étapes difficiles de la vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Donc le conte comme code de conduite pour la vie, Pour la code de vie. conduite morale, Morale. pour les valeurs, Les le valeurs, les courage, sociales. l'abnégation également. Très bien, Monican. Alors, à part dans l'univers du conte, est-ce qu'il y a un ou des conteurs qui vous ont marqué? Dans l'univers du conte, je dirais le nom d'un conteur, sinon une conteuse qui m'a marqué, c'est Madame Tanon Laura Michel. Et je dis que c'est la graine qu'il faut éduquer. Les plus âgés, ils savent déjà, ils ont la capacité de décider. Mais les plus jeunes, ils suivent et c'est après qu'ils apprennent à décider. Donc s'ils n'ont pas suivi ce qui est bon, ça sera difficile après de décider. Et elle écrit des contes pour enfants, des contes de jeunesse. Et je crois que c'est une très belle initiative qui permet aujourd'hui aux plus jeunes, ceux qui la suivent, qui la lisent, voilà, de bien se comporter dans la société. Très bien, j'espère bien qu'on aura l'occasion de recevoir Tanon Laura, conteuse, sur le plateau d'Entre les Lignes. Merci. Mais nous avons chez nous également d'autres auteurs qui ont semé des graines, qui ont semé D'accord. des graines, et que nous allons récolter maintenant avec les grandes plumes. Sami Tchak, pseudonyme de plume de Sadamba Tchakoura, est un écrivain togolais. Il a publié de nombreux romans et essais qui interrogent ce qu'il y a d'universel dans la culture africaine. Après Femme infidèle, publié en 1988, suivront, entre autres, Place des fêtes en 2001, Hermina en 2003, La fête des masques en 2004, Le paradis des chiots en 2006 et La couleur de l'écrivain en 2014. Son œuvre est une exploration minutieuse du continent littéraire sud-américain et du présent africain. Son écriture est aussi profonde que sulfureuse, a été saluée par de nombreux prix littéraires, dont le prix Amadou Kourouma en 2016 et le prix Renaissance française décerné par l'Académie française des sciences d'outre-mer en 2020. Titulaire d'un doctorat en sociologie, considérant l'écriture littéraire comme une tâche rigoureuse et exigeante, Sami Tchak a récemment reçu le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression française en novembre 2022 pour son roman Le continent du tout ou du presque rien.
Sami Tchak, romancier togolais de génie, qui a publié de nombreux livres qui sont aujourd'hui des chefs-d'œuvre. Je pense à Hermina, Place des Fêtes, Le Paradis des Chiots, et j'en passe. D'ailleurs, le dernier livre de Sami Tchak, Le Continent du Tout et du Presque Rien, a reçu le prix Ivoire 2022 pour la littérature africaine. Rien que ça. Kong, déjà lu des romans de Sami Tchak? Pas encore. Mais alors, avec ce que je viens de voir, je crois que je vais m'y intéresser. Il faut que dans ces jours-là, je me procure un livre de Sami Tchak. Très belle idée. Sami Tchak, romancier, mais je pense à Kuruma, je pense à d'autres romanciers, même à Véronique Tadjo également. Je pense à Tiburce Koffi aussi, on l'a honoré il n'y a pas très longtemps dans la rubrique Les Grandes Plumes. On se rend bien compte que le romancier est également un conteur aussi. Il y a quelque chose de l'héritage du conte chez le romancier. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis parfaitement d'accord. Déjà, je vais parler au niveau des personnages, de la construction des personnages, au niveau de la prise de parole et tout ça. Je crois qu'il de l'intrigue. De l'intrigue, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être chez vous une prédisposition à nous préparer un roman? Peut-être, bon. Donc, quels sont les projets? Je veux dire, premier livre de conte. Déjà, premier succès. Ouais. Quels sont les projets pour le futur? Est-ce qu'il y a un roman ou est-ce encore un livre de contes? Qu'est-ce que vous prévoyez pour les lecteurs dans les mois ou les années à venir? Un livre de contes, oui, mais avant, je prépare un livre de poésie. Voilà, que j'espère va plaire comme... Alors, donc du conte à la poésie. Ouais. Très bien, très intéressant parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous êtes conteur et également slameur. Ah oui. Slam, conte, y a-t-il un lien, à part le fait qu'on soit dans un art de la parole? Slam, conte, je crois que c'est pareil. Moi, je pense que c'est pareil. Voilà. Où percevoir le lien donc, pour vous, entre le slam et le conte? Le lien, déjà, pour moi, c'est la scène. Parce que bon, le slam, on va parler de poésie. Mais une fois que la poésie quitte le livre et qu'elle atterrit sur la scène, elle devient slam. Et le théâtre, le conte aussi, quand il est dans le livre, bon, il est conte, il est littéraire et tout ça, mais quand il arrive sur la scène, il devient art oratoire, tout comme le... Donc il y a de la poésie également dans le conte. Donc au final, on dira que le conte est un genre pluriel. Oui. Théâtre, poésie, roman. Alors, conteur, slameur, bientôt poète, peut-être un jour romancier. Oui, un jour. Très bien, merci de nous avoir permis d'échanger avec vous sur votre premier livre, L'enfant, serpent et la pluie. Ça a été un plaisir de partager ce moment de littérature avec vous. Chers lecteurs, voilà, c'est malheureusement la fin de notre rencontre littéraire. Nous étions avec Kong, slameur, poète, conteur, qui nous a présenté L'enfant, serpent et la pluie que je vous suggère. Il faut aller en librairie pour vous l'arracher dès maintenant. Nous nous reverrons très bientôt, mais avant, on ne vous laisse pas seul. C'est une tradition désormais pour nous. Il y a un slameur de surprise, de génie, qui viendra vous dire au revoir pour nous. À bientôt, à la semaine prochaine. Sur la toile, j'ai entendu parler de tes rues aux éclats 5 étoiles. Brevet d'accès au chômage, me voici dans ton beau paysage. Pas besoin de passer parmi les changeurs ou de grimper des immeubles sans ascenseur pour dire ton nom. Djal Babi, la perle des lagunes, la saveur de ton mets préféré m'a fait oublier le mets de mémé. Du biocosseux au foutou banane, aujourd'hui je m'en garde bas. J'ai compris avec toi que ce n'est pas qu'en allant là-bas que la vie change. Tes rues pleines de princesses aux fesses qui agressent, dressent et dégraissent. Avec elles de jour comme de nuit, jamais on ne s'ennuie. Coulant, mini guine pété puis se tresser. Le soir, rendez-vous dans un bar maquis ou boîte pour déstresser. On se fracasse au rythme des roucascas. Dose de jus de maïs et de tabac dans nos têtes se tabasse. La journée, elle vend de l'eau glacée et du lotus. Le thé multicolore, la nuit, elle vaut de l'or. Le lendemain matin, les caniveaux étouffent de dessous, de préservatifs et de fœtus dont la pourriture enfante les microbes qui anémient la population au passage. Les anarqueurs sont partout, le renard passe, chacun à son tour. Les tours se comptent en alphabet, les voleurs font bouche B. Le costume est vulgarisé, les vendeurs d'illusions y sont déguisés. À la gare, les fils de Marley sont calés, prêts à te palper et décaler, ils ne sont jamais lucides. À petit feu, ils se suicident. Cigarettes, drogue et alcool font corps avec leur corps.
Leur gamme, c'est la bagarre. Ils se tabassent à sang et ils s'en garba. Quand c'est gâté, on oublie Molière au profit de Nash. Toi, tu saches, le baoulé au profit de Nushi. A offert une batting bling bling. Sangosia Klonde. Abidjan, c'est pas forcé. Non, 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 pas forcé. Abidjan, c'est pas forcé. Non, 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 pas forcé.